Chicago, Chicago. Et ben, on s'appelle la compagnie des frères Le Propre. On s'est rencontrés il y a bien longtemps, mais on a commencé à travailler ensemble il y a 5 ans. Mmh. Et au départ, on voulait, c'est Manuel qui m'avait sollicité pour faire un peu un numéro de jonglage assez court. Et en fait, de notre dynamique et notre complicité, on en a fait un spectacle long, puis on a monté une compagnie qui est maintenant basée au Pèlerin. Et voilà, maintenant ça tourne. C'est deux frères qui s'appellent forcément Bob et Rob Le Propre, qui font tout un spectacle autour de la jonglerie pour savoir qui va aller à Chicago. Et en gros, c'est celui qui fera le moins tomber les massues qui ira à Chicago. Et pour ça, on note chaque moindre chute sur un tableau qui est en fond de scène. Sauf qu'il y en a un des deux qui est un peu tricheur. C'est lui. Très agréable ici. Ouais. Surtout qu'il y a des interactions avec le public. Il y en a au moins deux où on va chercher une personne dans le public pour voilà, agrémenter un petit peu le scénario et augmenter la touche burlesque. Personnage, Rob est globalement un personnage un peu pato, voilà, il a un peu du mal à marcher, on va dire. Mais il est plus fort en jonglage que l'autre qui est plutôt svelte, dandy. Voilà, on a une alternance entre les deux personnages. On travaille beaucoup sur les massues, voilà, c'est vraiment notre instrument de prédilection. Dans le spectacle, on fait un petit peu de jonglage rebond avec des balles de ping-pong. Notre matériel de prédiction dans la compagnie, c'est les massues. Ouais. On a détourné en fait les massues et les objets pour rappeler des jeux sportifs en fait, comme le basket ou le ping-pong. Voilà, ça crée aussi une petite forme de compétition entre les deux personnages. Et c'est un peu notre fil conducteur. Ouais.